cuire un de ces paramètres d'entrée. Et le résultat, les paramètres qu'on sortit, c'est S, on calcule l'ensemble. Maintenant, pour calculer l'ensemble, je vais donc, bon, par exemple, S, il y a l'ensemble. Donc, l'ensemble, c'est 1 plus 2 plus 3, c'est équivalent à 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 1. Donc, c'est la même chose. D'accord? Donc, comment on calcule l'ensemble? D'abord, il faut initialiser le S. D'accord? Il faut initialiser. D'accord. Donc, initialement, S égale à 0. Bon, maintenant, je vais dire, S, la nouvelle valeur, S, reçoit la valeur précédente, hop, plus 1, plus ce 1. D'accord. Bon, ben, égale à 1. S, la nouvelle valeur, c'est quoi? C'est la valeur précédente, il y a S, c'est 1, plus 2. Donc, maintenant, je donne la procédure pour calculer l'ensemble. Bon, ben, S, la nouvelle valeur, reçoit S précédente, égale à 3 plus 3, égale à 6, 3 plus 3. Ensuite, S reçoit la valeur précédente, il y a 6 plus 4, etc. jusqu'à plus 1. C'est-à-dire, donc, initialement, on a S égale à 0, ok, par exemple, c'est S, 0, on va dire, pour la deuxième valeur, d'accord, je calcule S1. C'est quoi S1? C'est la valeur précédente, S0, plus 1, égale à 1. Bon ben, où je sais? Avec S1, je sais 2. C'est plus 2, c'est équivalent à S2. Donc, S2, c'est quoi? Ou bien, c'est ça, S2, c'est quoi? C'est S2, non, c'est S1, oui, S2, c'est quoi? C'est S1, avec le S1, plus 2, égale à 3. Donc là, c'est S2. Donc, c'est la valeur précédente. Il y a S1 plus 2, etc. On va dire. Deuxième, S2. Pour calculer, c'est bon. Pour calculer, S3, c'est quoi? C'est S2. Allez, la valeur précédente, il y a 0 plus 1 plus 2. Il y a 2 plus 1 égale 3. Donc, c'est 3 avec la flèche, plus 3. On va voir S3 égale à 6. Donc, S3 égale à 6. Le S4, c'est quoi? C'est la valeur précédente. Il y a, c'est 6 plus, là, le 4. Le S4 plus 4. Donc, c'est 6 plus 4 égale à 10. On continue jusqu'à Sn reçoit Sn moins 1 plus 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire, S reçoit 0. On va créer le S, c'est-à-dire le 1. Le résultat est 1, c'est-à-dire le 2. On va créer le résultat 3 plus 3. Donc, 6 plus 4, etc. D'accord. Maintenant, que je vous bien cette procédure, cette méthode qui permet de calculer l'ensemble, je vous dis, l'action S reçoit S plus cette action, elle se répète combien de fois? Un fois, un, jusqu'à un. Donc, S reçoit S plus une action qui se répète un fois. Un fois. Donc là, je peux utiliser une instruction itérative. D'accord. C'est pas bien. Où je connais. D'abord, on a un 1, l'ensemble d'un nombre. Bon, on récupère le 1. Lire 1. On a une action qui permet d'initialiser le S. S égale à 0. S égale à 0. Ensuite, cette action qui se répète un fois. Au chimère, je peux utiliser la boucle pour. Donc, le pour, I, donc le compteur qui calcule de 1 à n. De 1 à n. Faire. Où je mets l'action littérale. C'est S plus, soit S plus. Point d'interrogation. Donc, justement, cette action, elle se répète. Mais on a des 1, on va garder 2. Donc, à la moyenne, je fais une répétition. D'accord? Mais il faut trouver le point d'interrogation. Donc, quand on vient de détailler, mais je suis si S, c'est I égale à 1, ou je vais amener plus 1. Dans le cas, I égale à 2, plus 2. I égale à 3, plus 3. I égale à 1, plus 1. Donc, je peux faire directement S égale à 0. Pour I de 1 à 1, S égale S plus, on y a été le I. On a 1, I égale à 1. Ensuite, 2, I égale à 2. 3, I égale à 3, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui. Pas de question? Très bien. Très bien. Bon, là, c'est, donc, on va dérouler cet algorithme. D'accord? Un déroulement. Donc, la première action qu'on a, on doit récupérer. N. Donc, N égale à, par exemple, N égale à 3.
pour un égard de la roche, 1 plus 2 plus 3. Donc le résultat, normalement, c'est 6. Donc une action de lecture. Une action de lecture. On va, où je demande. Il faut initialiser le S. S initialement égal à 0. Ensuite, je vais exécuter maintenant la boucle. Donc, je suis de la boucle maintenant en cours. Donc, je dois initialiser le compteur par la borne inférieure. Pour cet exemple, la borne inférieure est égale à 1. Donc, pour I, donc le I est égal à 1. D'accord. En fait, je dois vérifier. Est-ce que le ITI est inférieur ou égal à 1? Oui. Donc, je peux exécuter cette action de calcul. Je vais dire. C'est S, la valeur précédente, 0, non, plus le I plus 1, égal à 1. Ensuite, j'incrémente le I, donc déjà 2. Je vérifie. Est-ce que le D est inférieur ou égal à 1? Oui. La condition est vérifiée. Donc, je peux exécuter ce bloc. Le bloc à deux fais. C'est S, la valeur précédente, 1, plus 2, plus I, plus 2, égale à 3. J'incrémente le I, 3. La condition vérifiée, oui. Au chiffre de S, nouvelle valeur de S, c'est la valeur précédente, 3, plus I, égale à 3. Donc c'est 6. J'incrémente le I, égale à 4. Est-ce que I est inférieur ou égal à 1? Non, la condition n'est pas vérifiée. Elle n'est pas vérifiée, donc j'arrête et j'affiche le S. Donc S égale à 6. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur. Oui. Oui. Je te donne un autre Hana, par exemple. On a une condition. On a en cours. Je fais l'action. Et c'est bon. L'action, la première action, c'est par Wahnaya. Une boucle. Une fois qu'on en a deux, une fois notre la boucle, je vais exécuter l'action. Je vais initialiser le compteur. C'est un compteur. Par la borne inférieure. Maintenant, la borne inférieure est initialisée à 1. Donc, le I reçoit 1. Ben, avant d'exécuter ce bloc et ce répète, l'itéral de ce qu'on a en cours, on doit vérifier est-ce que le I, ou bien est-ce que oui, le I a dépassé la borne supérieure, qu'est-ce qu'il m'a coupé là ou non. D'accord. Donc, est-ce que le I est inférieur ou égal à 1? Oui. I inférieur égal. Donc, on n'a pas dépassé la borne supérieure, on a dépassé donc, I inférieur. Donc, là où je m'attends, c'est-à-dire, je peux exécuter ce bloc. Donc, je peux exécuter ce bloc. D'accord? Là où d'avancer, donc le I, j'incrémente en bas, j'incrémente le I. Donc, action 6. On a traité ça en cours, hein, bien, avec des chemins, avec des graphes. D'accord? I égal à 6, j'incrémente, égal à 2, j'incrémente le I. Bon ben je compare. Est-ce que le I a dépassé 1, la taille maximale? Non. Donc, la condition est vérifiée. Donc, I est inférieur ou égal à 1. Quand I est inférieur ou égal à 1, donc on n'a pas dépassé la borne supérieure, je peux répéter ce bloc. L'avancée de S reçoit S plus I. Zip de I. L'incrémentation, c'est quoi? Ajouter plus 1. Donc, égal à ta loi. Est-ce que ta loi inférieur ou égal à 1, la borne supérieure? Oui, mais elle est toujours plein. Non. Donc, la condition est vérifiée. Donc, je peux exécuter le bloc. Zip de I. Donc, 1, 2, 3, 4, 4. Est-ce que le 4 est inférieur à 1, inférieur à la borne supérieure? Non, on a dépassé. Le compteur tunnel dépasse à 1. Donc, là, on doit arrêter. Vous sortez au 1004, instruction 4, 7, le directement écrit S. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, on va série d'exercices. D'accord? On va traiter. L'exercice 3, la série d'exercices 2020-2021, d'accord? Et puis 5 points. Donc, l'exercice, normalement, est facile. Reste donc une classe. Une classe contient 200 places, d'accord? Une classe contient 200 places. Classe, ça fait un petit place, d'accord? Répartie en 10 rangées, puis à 10 rangées, d'accord? Les rangées. Et 20 colonnes. Imaginez une classe. D'accord. Un comme les rangées, un comme les colonnes. D'accord. La première rangée, la deuxième rangée, la troisième rangée. D'accord. Des rangées plus des colonnes. Une matrice. Chaque élève possède un numéro entre 1 et 200. Donc chaque élève, si je prends un élève, d'accord, un numéro qui maintenant, un matricule entre 1 et 200. D'accord. Lors d'un examen, on place les élèves sur les places, on place des élèves sur les places selon le numéro, en commençant par la première rangée, puis la deuxième, et ainsi de suite, comme montre le tableau suivant. C'est pas nous qui coule un A, un des numéros numéro 2. Donc la rangée TAIC, la première rangée,
Je viens de comprendre. Si par exemple, mon numéro ou mon matricule est 40, donc, du coup, c'est la rangée TRC 2, la coordonnée 20. Donc, voilà. Si par exemple, mon numéro, c'est 181, d'accord? 181. Donc, la rangée, c'est 10 et la coordonnée, c'est 1. D'accord? La première coordonnée. Par exemple, si je prends 1 égale à 45, cet exemple, donc, la rangée pourtant, c'est la deuxième rangée. On a 20, 40. Donc, le numéro est entre 20 et 40. 20, donc, c'est la deuxième rangée. Où je la colonne, c'est 15, 21, 22, 23. Jusqu'à 35, c'est la colonne 35. Elle est là, d'accord? Donc, écrire un algorithme. Puis, à là, c'est le point le plus important, afficher dans quelle rangée et dans quelle colonne l'élève se doit se placer. C'est-à-dire, je vous donne le numéro, d'accord, en entrée, donc le paramètre d'entrée, d'accord. Donc, le paramètre d'entrée, c'est quoi, là? C'est le numéro de l'étudiant, d'accord. Par exemple, 35, d'accord, c'est le paramètre d'entrée à lecture. Donc, je fais une lecture. Je dois introduire la valeur de 1. C'est le paramètre d'entrée. D'accord? Ensuite, avec deux paramètres, on a deux paramètres de sortie. La colonne, ou bien la rangée, et la colonne. Est-ce que c'est clair? Complètement, l'exercice. Est-ce que l'exercice est clair avant de traiter ou de mettre l'algorithme? Est-ce que l'exercice est clair? Donc, le paramètre d'entrée à lecture, c'est le 1, c'est le numéro de l'étudiant. C'est le matériel, d'accord? Là, les deux paramètres de sortie, c'est la rangée. Et la rangée de solution en langage naturel, si j'ai une application en langage naturel, donc prenons par exemple 167. 176, donc je dois diviser 176, 20, 20, 20, 20, 20. Dans mon tête, des noms, 76, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 170, 170. Donc, elle est entre 60 et donc, elle est là, justement, arrangée 9, d'accord? Plus quand la rangée, 176, donc c'est 16, la colonne, elle est avec une application, avec une solution d'application humaine. Maintenant, en langage naturel, en langage algorithmique, une solution en langage machine. Entrée du numéro, en sortie, la rangée et la colonne. D'accord? Maintenant, pour traiter cet exercice, je dois introduire le div et le mois. D'accord? Qui compte par exemple 14 div 3. J'ai le résultat. Et qu'à la quoi? 14 div 3. C'est quoi le div? 14 2. Non, le div, c'est 4. C'est le résultat. Sans la règle. À partie entière. C'est 14 div. Le div, où j'ai dit, c'est le classement. Sans le reste, d'accord? Et sans la virgule. D'accord? C'est la partie entière. Donc, c'est 4. D'accord? Donc, 14 div 3. Et à la 4. 5 div 2 égale, ou bien 3, égale à 1. Maintenant, si je prends le même exemple, 14 div mode. Mode 2 égale à quoi? 14 mode 2. 0. Mode, non. Ah non, là, justement, 14. 14 mode 3. Mode 3, je prends le même exemple. 14 mode 3, c'est vrai, il y a 14 mode 2, mode 2 c'est 0. Très bien, 14 mode 3, c'est le reste de la division de 14. C'est le reste de la division de 14 par 3. C'est-à-dire que si je fais 5 mode 3, et pour la mode 2, 5 mode 2 égale à 3. 1.
le 1, ben la قسمه ديال جوج الحاصل قسم يا صفر واحد لو كود بين هذا دو ريفرنس يو كل ماشي زيرو بيان داكور سي 1 5 مود 2 ايغال 1 اي 5 2 ايغال 2 سي بون. J'ai introduit le mode et le div parce qu'il faut les utiliser dans cet exercice. Si par exemple, monsieur, oui. Monsieur, le mode Barre Christmas. Hassel Barre Christmas, oui, Barre Christmas. Ou div Hassel Christmas. C'est le quotient, Hassel Christmas, c'est ça. Ok, merci. Très bien. Bon, j'ai introduit ces deux opérateurs arithmétiques parce qu'ils sont nécessaires pour traiter l'exercice. L'exercice en moi. Je crois que j'ai dit, c'est pas c'est très rabac. On prend un égal là. Monsieur. Oui. Très rabac. Oui, très rabac. Très rabac. Très rabac. Si je prends 35. 0,35. Très rabac. Très rabac. Une minute. Un égal 35. On prend A, c'est la corne. D'accord. A égale la corne. Corne. Et on prend B, c'est la rangée. D'accord. Aïe, alors, monsieur Ahmed, l'idée. 0,35, mode 20, t'atteins 15. Là. 0,35. Très grave, là. Comme le collecteur, 35, mode 20, elle nous donne 35, mode 20, je vais t'atteins là. 35, mode 20. 15. Elle nous donne 15. Et elle représente quoi dans l'exercice? Je vous bien l'énoncer. C'est la colonne, monsieur. Et elle doit se placer sur la deuxième rangée et la quinzième colonne. Donc, c'est la colonne. Donc, c'est la colonne. Donc, on a A, c'est la colonne. Colonne égale 35 mode 1 égale 1. 15. Allez, c'est pour 1 égale à 35. C'est bon. Très bien. Donc, le collecteur comme Ahmed a utilisé le mode pour récupérer la colonne. C'est bon. Aujourd'hui, d'être 35, mode 20 égale à 1. Maintenant, ma question est pour la rangée. Monsieur Nero. Monsieur Nero Div. Nero Div. Moi, je Nero Div, monsieur Islam. Mitien Div, François Président. Monsieur, on dirait 10, 20. 35, 10, 20, t'atteins 2. T'atteins 1, 0 plus 1, tous les deux. Très bien. Maintenant, Ahmed, comme Ahmed, bon, les collègues rangés, calculez 35, 10, 20, elle nous donne 1, on dit 2 plus 1. Donc, B, pour calculer B, la rangée, selon l'énoncé, c'est 2. 35, 20 plus 1 et 1 dedans, 1 plus 1 et 1 dedans, 2. Est-ce que c'est clair? Est-ce que la rangée en A, c'est 2? D'accord? Alors qu'il y en a 1. D'accord? La rangée en A, c'est 2. Avec le div égale à, div égale à 1, div plus 1. C'est pas dit. Si je prends le cas de 55, 1 égale à 55. D'accord? 1 et 55. Donc la rangée est à 55, c'est là. Donc c'est la troisième rangée, logiquement. 55, elle est entre 41, 60. Donc normalement, c'est la troisième rangée. Donc l'idée, c'est quoi? Donc on prend donc, la rangée B pour calculer B ou chez B. Hop. Pour 45, pour 55. Pour 1 égale à 55. C'est 55. 55 div 2, Charles. 55 div 20. 2. 2. C'est 2. Et la rangée, c'est pas. Donc, je n'ai pas. Donc, 55 div 20, c'est 2. La plus rangée, 1 et 1, 3. Très bien. Donc, on prend la hackbox dans Jambal. Donc, pour 1 égale à 35. Monsieur, allez, je n'ai pas plus 1. Dites-moi, allez, je n'ai pas plus 1. Je viens d'expliquer. 1 et plus 1. 35. Si je prends 35. D'accord. La colonne, je prends la colonne pour 35.
D'accord. Elle, 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 elle a rangé. 35. 35. Si je prends 35, c'est quoi la rangée, le numéro de la rangée? La deuxième. C'est la deuxième. L'idée, c'est quoi? Je divise par 20 avec la rangée. Mais si je divise un 35 par 20, si je divise 35 par 20, si je divise 35 par 20, 35 divisé par 20, elle me donne, elle me donne quoi? Elle me donne 1. Mais elle a la rangée telle. C'est 2. Plus 1. Plus 1. Maintenant, on prend un deuxième exemple. On prend un deuxième. Pour 1 égale à 65. D'accord? La rangée, chal, la réalité, chal la rangée. La rangée, chal. 4. 4. Très bien, c'est 4. Donc l'idée aussi de pour calculer 4, c'est 65 divisé par 1 égale à 3. Égale 3. Plus 3. Avec le 1. D'accord? Plus 1. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Maintenant, quand on attaque un bloc, hop. Allez, c'est pour B, bon, ranger. Plus 1, égale à 2. Donc, l'exemple, on a 1 égale à 35. Donc, le A égale à 35 moins 20. Donc, c'est la classe ou la colonne de 15. Et le B, la rangée. 35 divisé par 1, avec la première rangée, plus 1. Allez, c'est pour 1 égale à 35. Qui peut me donner le cas général? Le cas général. Allez, c'est une application. C'est une application pour 1 égale à 35. Un déroulement pour 1 égale à 35. Le cas général, monsieur, c'est quoi? Le cas général. Pour la colonne 1. Oui. Juste un, oui. Donc, c'est le N de 20. Un à 1, comme. Un à c'est N égale 35. Ok. Très bien. Très bien. Donc, pour, je prends, c'est un exemple. N égale 35. Pour traiter le cas général. Allez, le cas général. Le cas général. 1. 1. Et. Donc, pour le cas général, donc on dirait lire n, a reçoit n moins 20, b reçoit n divisé 20 plus 1. Donc, on a remplacé 35 par n. Le cas général. Parce qu'on a n égale à 35, on a remplacé n par 35. Maintenant, le 35, maintenant, le cas général, c'est lire n, a reçoit n moins 20 et b reçoit n divisé 20 plus 1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair. Le cas. Justement, j'ai une question pour Salima, c'est ça, il est posé la première question. Salima, si par exemple 1 égale à 60, allez, 1 égale à 60, d'accord? Atteignez selon la règle, atteignez le A ou atteignez le B. En appliquant le A égale N mod 20 et B égale N div 20 plus 1, d'accord? Tu ne fais pas le calcul, tu fais le calcul en se basant sur le monde et le type. C'est-à-dire, tu vas calculer. Allez. Monsieur, le icon 0. Très bien. Notre rapport, hop. Pour 1 égale à 60, on va remplacer 60, justement. Le S, on va appliquer la règle. Donc, d'analyse 1, 1 égale à 60, on remplace 1 par 60. OK. Donc, j'ai les 60 moins 20. Et 60 divisé 20. Si on fait le calcul, cher Jamel, si on fait le calcul. La colonne qu'on égale à 0, la rangée 4. Égale à 4. Bon, ma première question. Est-ce que la colonne 0 existe? Non. Elle est si on applique la règle, donc on connaissait 4, alors la rangée chan, du katana, la rangée chan, 60, la rangée. La rangée. Si je prends 20, 40, on 60, c'est la troisième rangée.
dans notre cas, c'est égal à 4. D'accord. Je prends un deuxième exemple. On prend un deuxième exemple. 120. 120 égale à 0. Et puis pour le. Bon, 120 divisé par 20, c'est 7. D'accord. À la tête, maintenant. Petite erreur. Je fais une petite erreur. 120. Monsieur, même l'orange, non, on trouve juste 3, monsieur, 4, là. Justement, normalement, juste, non, 34, 60, 10, 20. Plus 3. Oui, plus 1, c'est 4. Alors que l'orange, je suis pour 60. 3. Justement, 3. Il y a un problème. Donc, là, pour 35, pour résumer, pour 35, je prends ça. Pour 35, c'est correct. Mais pour 1 égal à 60, on voit le problème, on a ce problème. D'accord ? Monsieur ? Oui ? Les chiffres pairs ou les chiffres impairs, ça rapporte. Non, mais je suis chiffre pair et chiffre impair. Dis-le comment je veux dire. Monsieur, 1, 35, j'ai... Ah, il y a un problème à nous dire, ça, ta chenelle. Très bien, un point important. Déroulé, c'est mal. Très bien, monsieur, très bien, je suis en cela. On a deux cas déjà. On a le cas général, c'est l'exemple 1 égal à 25. Ou on a le cas qu'on fait égal à 20, à 40, à 60, à 80, 120. D'accord ? On a deux cas. D'accord ? Le deuxième cas, c'est quoi le problème, père ? Moudar, c'est 20. Je te le la collecte, je te l'ai dit. Ok, si 1 égale 1, mode ici 1, mode 20 égale à 0, je te l'ai dit. On le classe toujours dans la colonne 20. Juste, très bien. Donc, justement, si 1, il y a un problème avec le mode. Très bien, ok. Très bien, très bien, ok. Donc, A ressort 20, parce que justement, toujours, c'est 20, la colonne 20, égale à 20. 20 mode 20 égale à 0, c'est la colonne 20. 40 mode 20 égale à 0, donc c'est la colonne 20. 60 mode 20, la colonne 20, etc. Donc, toujours... Donc, quand on dit un 0 pour le mode, veut dire la colonne 20. Le mode égale à 0, cela veut dire la colonne 20. D'accord. Ou pour le B, on fait uniquement un div 20 sans ajouter plus 1. D'accord, Lina? Très bien. Maintenant, si un mode 20 est différent de 0, chez 0. Si un mode 20 est différent de 0. Je n'ai pas compris un mot à faire. Monsieur, j'ai un mot de 20 direct. Un mot de 20 directement pour la colonne. On a fait ça avec le 35. Et le B. Dis-le le plus 1. Très bien. Donc, je vais la colonne. Je vais résumer. C'est si un mot 20 égale à 0. Alors, au champ. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le A égale directement 20. D'accord. Et le B égale. Et le B égale à. On a chacun 1, 10, 20. Pour ajouter plus 1. Sinon. Sinon, je dois entre parenthèses un caca, un 45, ou un caca. C'est juste un exemple. Car un égal, par exemple, chaque mot, par exemple, 1, 40, 60, etc. Donc, quelle est la solution? Si un mode 20 est égal à 0, d'accord? Alors, on a le cas de 1 égal à 20, 40. Donc, 20 mode 20 égal à 0, 40
moins 20 égale à 0, 60 moins 20 égale à 0. Où je dis la colonne, c'est clair. Égale à 20, A égale à 20. 40, 20, 220, 120, 20, 60, 20, etc. D'accord? Sinon, elle lui dit, la rangée, c'est quoi? C'est le 1, div 20. Par exemple, pour 40, 40, div 20, c'est 2. Allez, 40. 40. 40, div 20, c'est ma rangée 2. Allez bien. Maintenant, dans le cas contraire, sinon, le cas contraire, 1 mode 20 divisé de 0, le cas à 35, donc, la colonne suivante, c'est 1 mode 20, 1 mode 20 égale à 15, et la rangée égale à 1 div 20 plus 1, ainsi que 1 plus 1. D'accord? C'est la 35. Si je fais 1 div 20, 35 div 20, elle me donne 1. D'accord? Mais la rangée, c'est 2, donc plus 1. Donc, ainsi que plus 1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur. Oui, Yarouf. Mais je t'ai dit que t'as 1 est égal 20, 40, 60, coupez les connexions. Voilà, justement, si je prends le cas 40, t'as le. Alors, on a pris un exemple. On prend le cas de A. Akmaïa, c'est. Je compte, c'est. Raouf. Oui. Tu es d'accord pour ce cas, Hadda le cas. Tu es d'accord pour le Hadda le cas. Tu es d'accord pour cette règle. Tu es d'accord? Oui. Voilà, ça. Maintenant, si je prends le cas de 1 égal à 40. Si j'applique la même règle, je vais appliquer 1 mod 1, c'est-à-dire 40 mod 1 égale à 0. D'accord? Et je vais appliquer pour B, 1, 10, 20, c'est pas dire, 20, égale à 3. Ok. Si j'applique la règle, dire 1 mod 20, ou j'ai dire 40 mod 20, c'est ça, égale à 0. Est-ce que la position 0 existe? Non. Mais justement, on a le mode, le résultat égal à 0, on est toujours sur la colonne 20. 20 mode 20 égale à 20 mode 20 égale à 0, c'est la colonne 20. 40 mode 20 égale à 0, c'est la colonne 20. 60 mode 20, la colonne 20. 80 mode 20, c'est la colonne 20. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ça va bien. Ça va bien. Donc, c'est pour ça qu'on a appliqué un mode 20. On est directement en erreur. Attends, quelle petite erreur, justement. Quelle petite erreur par rapport à l'instruction écrite. Sinon, on contrôle tous les. Allez, hop. Là, c'est. Non. Le si. Ah, c'est bon, c'est correct. C'est bon. Je pensais que tu avais. Donc, tu es à la off. Donc, toujours 0 égale à 20 directement. C'est le mode égal à 20. Directement, il égale à. Le monde égal à 0, il faut appliquer un A. De A égale à 20. Est-ce que tu es d'accord? Alors, c'est 1, donc mode 20. Quel que soit le 1, égal à 0. 20, 40, 60, égal à 0. Le A reçoit 20. Tu es d'accord? Oui. Allez, donc, on a le deuxième problème. Allez, tu as le B. Le B, c'est-à-dire B, 20, plus 1. D'accord? De plus 1. Pas de problème. Donc, je vais la ranger. Si on applique la première règle de Namel n égale à 35, elle nous donne 2 plus 1. 40 div 20, c'est 2 plus 1, c'est 3. D'accord? Si j'applique cette règle, on a un carré. Un carré, la troisième rangée. Alors, la colonne, elle est 40. D'accord? La 40, elle est la deuxième rangée. Quand j'étais dans la troisième rangée, en appliquant la première règle de n égale à 35, alors que normalement, on est égal à 2. D'accord? Donc, on a un cas spécial. Il y a la règle générale. D'accord? Il y a la règle générale. D'accord? Allez. Il y a la règle générale.
qui a la règle générale et le sine en réalité, je fais A, 1 mod 20 et B reçoit 1 dit 20 plus 1. D'accord? Maintenant, si 1 mod 20 égale à 0,5 cas spécial, directement la colonne c'est 20 et la rangée me dit 20 plus 1. Je dis 1 dit 20, c'est tout. D'accord? Est-ce que c'est clair, Raoul? Oui, c'est clair. Très bien. Pour les autres, des questions? Monsieur, monsieur. Oui. Alors K1 égale 20, 40, etc. On peut dire alors K1 égale 20 fois K. Ou K, c'est un variable de type entier. Justement, on est en algorithmique. D'accord. Le K, c'est quoi la valeur terme? Je dois donner la valeur de K. Comment vous récupérez la valeur de K? Vous multipliez par K, mais qui va récupérer la valeur de K? C'est un point important parce que des fois, toujours le problème. Vous multipliez par la valeur de K, c'est quoi la valeur de K? Je dois avoir la valeur de K. D'accord? Par exemple, pour le 1, c'est une variable, ça, l'utilisateur, il donne la valeur de 1. La même chose pour le K. Comment calculer avec le K? D'accord? D'accord. Très bien. Maintenant, je donne l'algorithme. Donc, bon, j'ai remplacé le 1 par nul étudiant. Donc, lire le numéro d'étudiant. On va avoir une petite condition. Donc, si num étudiant est supérieur ou égal à 1, akbar ou wahed, ou est inférieur ou égal à 20, donc on va appliquer jusqu'au numéro. Sinon, si le num étudiant est inférieur à 1, ou bien le numéro étudiant est supérieur à 200, écrire le numéro de l'élève doit être entre 1 et 2. Une petite condition. Donc, on va parler entre 1 et 200. Maintenant, si par exemple, une personne de lire num étudiant égale à moins 5, donc on doit vérifier, est-ce que num étudiant est supérieur à 20? Non. Est-ce qu'il est inférieur à 200? Non. Donc directement, oui, un vrai et faux. Faux, donc la condition est fausse, donc directement le sinon. C'est-à-dire, écrit le numéro de l'élève doit être entre 1 et 200. D'accord? Maintenant, si num étudiant est entre 1 et 200, qui m'a prenant? On calcule le mode 1 et on calcule B. D'accord? On vérifie. Le mode 1 est différent de 0. Donc c'est clair. La rangée c'est le plus 1. Avec le B plus 1. Si A est différent de 0, donc la colonne est égale à 1. D'accord? Maintenant, si le A égale à 0, la colonne est égale à 20 et la rangée égale à B sans ajouter plus 1 à B. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur Malich, tu as dit que c'est A. Supérieur ou inférieur 0. Voilà. Elle est différente. Elle est comme si le symbole était différent. D'accord? J'ai appliqué le message. Donc, on dit le A, c'est le mode, et le B, c'est le div. Maintenant, on doit vérifier. Est-ce que le A, ou bien est-ce que l'un étudiant, ou bien un mode 20 est différent de 0? On est je crois qu'on 20. Maintenant, la rangée de la plus 1, donc c'est div. 20 plus 1, Heineck, B plus 1, et la colonne c'est 1. C'est le mode. C'est le cas 35. D'accord? 35. Donc A, 35 mode 20 égale à 15. 35 dit 20 égale à 1. Donc on a c'est 15, 1. Est-ce que A est différent de 0? Oui, donc la colonne 15, c'est bon. Et la rangée c'est quoi? C'est B, et il y a 1 plus 1. Égale à 2 pour avoir la deuxième rangée. Sinon, dans le cas, le A égale à 1, N mode 20 égale à 0. How looks your cas? N mode 20 égale à 0. Maintenant, A égale à 0. Écoute, A égale à 0. On est en train de parler, elle a la colonne 20. Donc, il faut afficher 20 pour la colonne. Et pour le B, ce n'est pas la peine d'ajouter de plus 1. D'accord? Parce que là, si je prends 60, 60 div 20 égale 3, ou c'est vrai, 60 avec la troisième, orange, donc je mets directement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur, c'est clair. C'est bon? Donc, le deuxième exercice. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, deuxième exercice. Bon, donc, il est un peu sympa pour le troisième exercice. D'accord? Donc, je vais vous dire, bon, l'exercice 5 fait plusieurs questions. 1, 2, 3, etc. On va traiter 2. Donc, allez, écrire un algorithme qui permet de rechercher le minimum et le maximum dans un ensemble d'un nombre réel. D'accord? Donc, les paramètres d'entrée, c'est quoi, non?
عندي لو ان عندي لي نومبر ريال ان نومبر ريال دونك عندي ان نومبر ريال لونسوم دو ان نومبر ريال اي جي لي نومبر ريال دي ان نومبر ريال داكور اي لي بارامتر دو سورتي لو مين اي لو ماكس داكور maintenant انا بور On prend par exemple 1 égale à 5. Là, je vais utiliser qu'une seule variable, il y a le x. D'accord ? Elle me permet d'introduire 5 variables. Je trouve 5 nombres réels. 2, on va dire 16, on va dire moins 7, 31, 21. Donc, avec x, de lire x, 2, lire x, 16, lire x, moins 7, lire x, 31, lire x, 21. En utilisant la même variable, mais c'est x1, x2, x1. Non. X avec une seule variable. Je fais la lecture de la première valeur. D'accord? Mais je vérifie. Est-ce que la première valeur est mine ou égale à max? Bon, il y a la belle compte. Un de la première valeur, si je prends la première valeur, le min ou à 2, ou le max ou à 2. C'est-à-dire le min ou à X, et le max est X. D'accord? Maintenant, la deuxième valeur, 16. Donc, on a une comparaison. Est-ce que la valeur, la nouvelle valeur introduite, est inférieure à 1000. Non, c'est bon, je garde le minimum taille. Est-ce qu'elle est supérieure au max taille? Oui, donc la nouvelle valeur de max est égale à 16. Troisième valeur, moins 7. Est-ce que moins 7 est inférieur par rapport aux deux dernières valeurs introduites? Ou non, donc oui, le min, donc c'est moins 7. Est-ce que c'est supérieur? Non. 31, parmi les trois valeurs, non. Est-ce que c'est le min? Non, je garde moins 7. Est-ce que c'est le max? Oui. Je fais la mise à jour. 21. Bon, je compare par rapport au min et le max. Ce que donne la wish deux. Avec une seule variable x, j'ai pu introduire n valeurs. 5 valeurs. Mais chaque fois une lecture, je vérifie. Est-ce que vous avez le min ou la nouvelle valeur introduite? Est-ce que c'est min ou bien c'est max? Un haula égale à 2. Je vérifie. Est-ce que min ou max? Égale à 16, je vérifie, est-ce que min ou max, etc. Donc, l'ensemble terrain, maintenant, j'ai la question, recherche du minimum et du maximum, how le clé min, ou how le clé max, à la fin, de moins 71, dans un ensemble de n nombre, how le clé l'ensemble. Traite l'oula, on marque deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur, cinquième valeur. Donc, si je prends cet ensemble, le min, c'est moins 7, et le max, c'est 31. Est-ce que c'est clair? D'abord, l'exercice. Est-ce que l'exercice est clair? Donc, c'est quoi l'exercice? On veut récupérer le min et le max d'un ensemble de un nombre réel. Un nombre. Par exemple, 1 égale à 5. Où je m'entends? Donc, on a 5 nombres. D'accord? Donc, on a 5 nombres. Donc, les 5 nombres ad hoc, je vais récupérer le min et le max. Monsieur, les 5 nombres ad hoc, on a les choisirons. C'est l'utilisateur, ben non. On est désormais les paramètres d'entrée, c'est le 1. Combien de nombres à introduire? C'est le 1. Quel nombre plus les nombres là, d'accord? Les 1 nombres réels, c'est-à-dire 1 égale à 5. Donc, l'utilisateur, il va récupérer le nombre, l'ensemble, le nombre 1, d'accord? Quand, par exemple, ça a un ensemble de 5 valeurs, 5 nombres, donc je dois lire le 1. On va dire qu'il y a 5 valeurs, on va lire une action de lecture de 5 valeurs. 1 égale à 5, je vais récupérer, ou là, je vais lire 5 nombres réels. C'est ça l'ensemble de termes, d'accord? D'accord? Donc, alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? Avec une variable x, je vais récupérer 5 valeurs pour 1 égal à 5. Si 1 égal à 10 ou 10, je vais utiliser x pour récupérer 10 valeurs. Si 1 égal par exemple 5, 8, je vais utiliser x pour récupérer 8 valeurs. D'accord? On va à chaque fois, le x, je vérifie le min et le max. C'est-à-dire, par exemple, la première valeur pour 1 égal à 5, en tant que l'utilisateur, c'est 2. Je vais vérifier. Est-ce que le 2 est min? Oui. Comme on dit une seule valeur pour le moment, pour l'ensemble de terrain, il y a une seule valeur, on dit uniquement cette valeur, donc c'est le min et le max en même temps. D'accord? Avec 2.
نروح نكمل نحمر لونسومبل تاعي دوزيام فالور ندير باغ اكزومبل نير 16 اسكو تبدل لومين تاعي نو لونسومبل عندي اونتر 2 اي 16 لونسومبل 2 16 لومين سي 2 دونك نو با ميتر ا جور لومين ما حاش نبدل لومين اسكو اونتر 2 16 سي كوا لو ماكس اسكو لو ماكس 2 نو سي 16 دونك لو ميان جور لو ماكس نزيد نلقى موان 7 دونك لونسومبل تاعي عندي 1 3 اسكو موان 7 لونسومبل سي لومين وي دونك جو دو ميتر ا جور لومين Est-ce que moins 7 dans cet ensemble, c'est le min et le max? Non, je garde 16. Donc la quatrième valeur, 31, moins 7, 31, c'est le max, etc. Avec l'ensemble. Dans cet ensemble, d'accord, de 5 éléments, de 5 nombres, la hérogène limite, moins 7, oui, c'est moins 7, et le max, c'est 31. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? D'accord. Merci, monsieur. Oui. Monsieur. Oui, j'entends. الان هو يدخله ولا الان نديرو ليغ ان ولا هو شغل كيما نقول لك جوستومون ندير ان ولا واش ان وي ندير ان او بيان كوا ندير ان اون دو فير اون اكسون دو ليكتور اون دو لير نديرو ليغ ان ولا هو يدخل كيما طلع لك جوستومون تبعني بيان لي بارامتر دونتري لي بارامتر اون اونتري سي ان C'est n, n, par exemple 5 nombres, 6 nombres, 8 nombres, et les nombres, l'ensemble de nombres, l'ensemble de n nombres. Donc par exemple, si par exemple, derrière n égale à 5, alors ça veut dire c'est la première valeur. Donc n égale à 5, c'est une entrée, une donnée en entrée, la lecture. Qui de n égale à 5? Il doit par la suite faire une lecture d'un ensemble de 5 nombres réels. Alors la première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur, cinquième valeur. En tout, on a aussi actions de lecture. Une action pour lire un et cinq lectures pour récupérer l'ensemble de cinq nombres réels. D'accord? Ou chaque fois que je fais la lecture d'un nombre, je vérifie est-ce que vous voyez le min ou le max. À la fin, on a cinq valeurs. Pour un égal à cinq, on a pour un ensemble de cinq valeurs. Pour cet ensemble, on a moins cinq, c'est le min. Et le 31, c'est le max. Allez, moins cinq, 31. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Maintenant, je donne la solution directement. Monsieur, là, je donne la solution. Je donne comment elle était, comment trouver le min et le max. D'accord? On prend toujours notre exemple. D'accord? Allez, c'est une application que l'on trouve d'habitude. C'est une application. Une application. Donc, pour n égal à 5, on va faire dire à la libéra. Ensuite, je vais dire une valeur. Par exemple, x. Allez, pour cet exemple, égal à 2. D'accord? Où je prends le pied x comme min et je prends le max, x comme max. C'est la première valeur dans notre ensemble. Dites l'ensemble, tu as la deuxième valeur. De toute façon, on a cinq valeurs. On a la deuxième valeur. Dites par exemple, il x. D'accord? Toujours le cas général. On a de la vérification. Est-ce que x est inférieur à min? Est-ce que la valeur introduite, lié x, est inférieure à min? Non. Donc, ce n'est pas la peine d'exécuter ce bloc. Pour cette application, on est 16, 2. Est-ce que 16 est inférieur à min? Non. Donc, ce n'est pas la peine d'exécuter cette action. Maintenant, est-ce que le x, le 16, est supérieur à max? Eh bien, oui, puisqu'elle est le max taille, 2 égale à 2. Oui. Alors, mettre à jour la valeur de max. Donc, max, le soit x, 15, 2 ou les 16. Donc, on a comparé le x, les 16, avec le max, les 2. Est-ce que 16 est supérieur au max? Oui, max, le soit x. D'accord? Troisième valeur introduite, moins 7, par exemple. On est la même chose. Lire x et je compare. Est-ce que la valeur introduite liée x est inférieure à min? Donc, le x, c'est quoi? C'est moins 7. Le min, c'est 2. Donc, je compare moins 7 avec 2. Est-ce que moins 7 est inférieur à 2? Oui, donc le min soit x. Donc la condition est vérifiée, on doit mettre à jour le min. Est-ce que maintenant x de moins 7 est supérieur à max? Non, donc on garde le max à 16. Donc 31, dire x. Est-ce que x, la valeur introduite, est inférieure à min? Min, c'est moins 7. Non, on garde toujours moins 7. Est-ce que le x de moins 31 est supérieur au max? 16, oui, donc il faut mettre à jour le max. La dernière valeur, dire 21. Est-ce que 21 est inférieur à min? Non. Est-ce que 21 est supérieur à max? Non. Donc, on gagne moins 7 pour min et 31 pour max. Est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur. C'est bon? Oui. Je n'ai pas compris, monsieur. Où je me fais? فهمت شكون فيها السي اقل من مين الور اكس نفسه المين معليش انا نرجع هنا لو نون شكون باش نعرف لا بيرسون لو برينو توفير توفير تخي بيان شوف تبعني بيان توفير داكور نروحو بالعقل دونك حنا قلنا اون دوا ريكوبيري ان فالور ان نوم داكور بارمي ان نوم هذاك لونسومبل ديال ان نوم اون فا ريكوبيري لو ميل اي لو ماكس داكور maintenant pour récupérer l'ensemble des valeurs, je vais utiliser la variable x et il est traduit n valeur ou bien pour n égal à 5, elle va me dire 5 valeurs. D'accord? Le min pour garder le minimum, parce qu'elle a aussi le min, et max pour sauvegarder le maximum. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors on suppose que n égale à 5. Donc pour récupérer la première valeur dans notre ensemble, elle va me dire x. D'accord, c'est la première valeur pour l'ensemble de taille. Bon, comme elle est une valeur pour le moment pour l'ensemble de taille, c'est quoi le min et c'est quoi le max? C'est quoi le min et c'est quoi le max? On a l'ensemble de taille. Elle est par exemple 5 valeurs. La première valeur est égale à 2. Donc le min, chal, égale à quoi le min? Logiquement, égale à 2. Et le max égale à 2. Pour le moins, une valeur dans mon ensemble, logiquement, le min égale avec la valeur et le max égale à la même valeur. D'accord? Donc, en langage algorithmique, pour effectuer des actions, je dois lire x, première valeur, et je dois initialiser le min par la valeur de x, initialiser le max par la valeur de x. Donc, il est que x égale 10, min est 8 à 10. Il est que x égale 30, min égale à 40. Si x égale à 2, le min égale à 2. Est-ce que c'est clair? Je te parle bien. Là, c'est une application, un exemple. Là, c'est la règle générale. D'accord? Donc, c'est x égale à 5, le min égale à 5 et max égale à 5. Donc, on a tout faire. Ah oui, oui. Très bien. On a tout bien. C'est la règle générale. Ou c'est juste une application. D'accord? Donc, le deuxième, la deuxième valeur. Deuxième valeur. C'est bon, on a récupéré le min et le max pour la première valeur. Hop, on a 16. Avec x. D'accord? Donc, tu bien, je dis tout bien. Donc, quelle est la première action? Lire x. Min le soit x, max le soit x, troisième action, la quatrième action, quelle est la première action, deuxième action, troisième action, quatrième action, lire x, d'accord? Comment est-ce que faire? Oui. Donc, le 16, donc pour récupérer le 16 avec le langage naturel, t'as le langage tech naturel, t'as le langage humain, ou j'aime bien. Si 16 est supérieur, inférieur à 1000, alors logiquement, le min est 16. D'accord? Il n'est qu'un 16 inférieur à 1000, donc le minimum, il est 16. Alors que non, la condition n'est pas vérifiée. Maintenant, si 16 est supérieur au max T, il est ou à 2, un exemple gardé 2, oui, donc je dois mettre à jour le max. C'est-à-dire en langage naturel, en langage algorithmique, où je, dis, je dois lire X. D'accord? Exemple 1 à 16. Bon ben, je dois comparer le XT avec le min. Le XT, par exemple, ici, c'est 16. Oui, mais c'est 2. Est-ce que la nouvelle valeur, est-ce que le x est inférieur à 1000 déjà? Est-ce qu'il est inférieur? Est-ce que c'est inférieur pour cet exemple? Non. X, non. Donc, ce n'est pas la peine d'exécuter cette action. D'accord? Donc, la condition est fausse. Donc, ce n'est pas la peine d'exécuter 1000 reçoit x. Deuxième point. Est-ce que le x introduit, c'est la valeur introduite, hein, 16. Est-ce que est supérieur à max, c'est qu'on a dit déjà. Oui. Oui. Très bien, donc je vais dire max, reçoit x. Pour ça, on a changé 2 par 16. Max, c'est la variable max, reçoit 16. D'accord? D'accord. On continue la même chose. Notre valeur, moins 7, par exemple avec x, est-ce que le x a la nouvelle valeur, il est moins 7, est inférieur à 8, limite c'est 2, oui. Alors, exécuter min, min reçoit moins 7. Quand on dit 2, j'ai moins 7. Est-ce que le x, niveau moins 7, est supérieur à max, niveau 16? Non, donc ce n'est pas la peine d'exécuter ce bloc. C'est pour ça, on garde 16. Est-ce que c'est clair de faire? Oui.
Très bien, on continue avec la quatrième valeur et la cinquième valeur. Chauve, maintenant, on a introduit la première valeur, la deuxième valeur, la troisième valeur, la quatrième valeur, la cinquième valeur. Et chaque fois une valeur, on récupère le min et le max. D'accord? Donc, on a cinq valeurs, à la fin, on a le min et le max. Si on prend l'ensemble, chauve l'ensemble, le mets-moi à terre, il y a 2, 16, 27, 31, 21. Logiquement, le min, c'est quoi? C'est 27 et le max, c'est 31. À la fin, on a le min égale moins 7. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Bon, je vais vous dire un point important sur les boucles. Si je prends un le cas, bon, un le bloc, ce bloc, x, x inférieur à min, alors min le soit x, x, si x est supérieur à max, alors max égale le soit x, point virgule. Ce bloc, il se répète un an, c'est le même bloc. D'ailleurs, c'est l'action. 4, 5, 6, est à 4, 5, 6. Maintenant, c'est le même bloc. 4, 5, 6. 4, 5, 6. D'accord? On a 4 blocs. Le même bloc, 4, 5, 6. Ce même bloc, il se répète. Combien de fois? Oula, c'est ça, combien de fois? Donc, les actions 4, 5, 6, 4, 5, 6, se répètent de 2 à partir de, je m'attends, à partir de la deuxième valeur. Attends la énième valeur, la cinquième valeur. D'accord? Le nombre de répétitions est connu. J'ai une répétition. Un des 5 moins 2 plus 1 égale à 4. Donc on a connu la boucle pour la borne inférieure moins la borne supérieure moins la borne inférieure plus 1. Donc 5 moins 2 plus 1. Donc on peut utiliser la boucle pour. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, un an, les quatre années bloc 4, 5, 6, ce bloc, il se répète, d'accord, à partir de la deuxième valeur, avec, jusqu'à 5, d'accord. Donc, il se répète de 5, on peut utiliser la boucle pour, même si je fais bien, on peut utiliser directement la boucle avec. D'abord, on doit récupérer le 1, les 1, d'accord, le 1, le 1, comme ça, c'est top. Deuxième, on doit récupérer la première valeur, l'x, x, d'accord. On doit récupérer, initialiser le min, avec min, le soit x. On doit initialiser le max, max, le soit x, c'est bon. Donc, c'est la partie initialisation. Donc, on a le n, on a la première valeur, on a initialisé le min, et on a initialisé le max. Le compteur taille de 2 à 5, on a un bloc qui se répète. Donc, je peux utiliser la boucle pour i de 2, à partir de la deuxième valeur, jusqu'à n, parce que le cas général, on a le n égal à 5, donc jusqu'à 5. D'accord? Où j'ai le bloc qui se répète? Ah oui. Lire x, c'est x inférieur à min, alors min le soit x, et c'est x supérieur à max, max le soit x. Ce bloc qui se répète, trois actions. Une action de lecture, deux actions de contrôle. D'accord? Dans une boucle, à la fin, il faut afficher le min et le max. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Tout ouvert, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Pérez, c'est bon? Oui. Il y a une 2 à 1. Justement, je raconte le collègue. On a commencé de 2 à 5, parce qu'on a pu dire de 2 à partir de la deuxième valeur jusqu'à la énième valeur. Le collègue, comme quand ça a dit, monsieur, on peut, au lieu de faire 1 à 2, on peut faire 1 jusqu'à n moins 1. D'accord, je peux remplacer le 2 par 1, ou au lieu de faire 1 de n moins 1. D'accord, un des par exemple 5 valeurs, je vais répéter cette boucle 4 fois. 5 valeurs, 4 fois 5, donc c'est le 1, 4 fois c'est 1 moins 1, d'accord, on compte de 1 à 1. Est-ce que c'est clair? Et c'est la même chose, d'accord. Un abacanada de là pour dire qu'on a récupéré la première valeur, d'accord, et en utilisant la boucle, on commence de récupérer le reste des valeurs à partir de la deuxième valeur. Donc on a récupéré la première valeur, ou on a la récupération de la deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur, jusqu'à la énième. Voilà. Est-ce que c'est clair? Monsieur. Oui, Yassine.
تما الاولى هذيك ما ندخلهاش في لابوكل باسكو رانا درنا ديريكت اكس يساوي مينيموم اكس هو الماكسيموم. ياسين نقول واحد الحاجه سام توجو نخلطوش اونتر الغوريثميك اونتر لا ريزولوسيون تاع البروبليم. انا بو ريزولو لو بروبليم دابور دابور اون فوا عندي لا بروميير فالور لا لوجيك واش تقول لك جو دوا انيسياليزي لو مين اي جو دوا انيسياليزي لو ماكس داكور. هنا اون فوا عندي لو مين لو ماكس جو بو فير دي كومباريزون. انا دي ديبي ما نقدرش ندير باغ اكزومبل ندير انا ندير اكس max x inférieur à 1000. Est-ce que j'ai le min? Je ne sais pas. D'accord. Je ne peux pas faire, par exemple, est-ce que x est supérieur à max? On n'a pas défini le max. D'accord. Donc, je n'ai pas quoi. Je récupère la première valeur. On a pas min et max. Par la suite, à partir de la deuxième, on sauvegarde qui met le temps, le min dans le x en min et x dans max. À partir de la deuxième valeur, je peux faire la comparaison. D'accord. Que à partir de la deuxième valeur, la comparaison, je le marque. Un bloc qui se répète. D'accord. Donc là, les mêmes couches là. Mais ce n'est pas des actions qui se répètent. D'accord. Là, il y a le bloc. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. D'accord. Sinon, non, non. D'accord. Voilà, j'incite. Qu'il y a des gens qui ont dit, monsieur, allez être numéro 3. Parce qu'on a récupéré la première valeur. D'accord. La première valeur, c'est le min et le max. Allez dans le numéro 3, x et max soit x. C'est pour qu'à partir de la deuxième valeur, une fois qu'on récupère la deuxième valeur, on a déjà le min, on a déjà le max, on a défini le min, on a défini le max, donc on peut comparer la nouvelle valeur avec min et max. D'accord. Là, je connais que vous avez le bloc, vous avez tout à l'heure au début, c'est vrai, on a x, on a récupéré x. Si x est inférieur à min, mais, j'ai pas, mais on n'a pas défini le min, donc il faut définir le min et le max, ensuite on peut les comparer. Est-ce que c'est clair, Yassine? C'est bon? Oui, c'est clair, merci. Merci. D'autres questions? C'est clair? Ok, non, c'est bon pour cette séance. La séance, la prochaine séance, je me demande, c'est le mercredi, une séance de cours en présentiel, d'accord? Pour vérifier le campus virtuel, vérifier le planétaire de la semaine. Donc, mercredi, on a un cours à partir de 13h, en ligne, je suis présentiel, en ligne, attends, en ligne. Donc, le mercredi, on a un cours à 13h, à partir de 13h, en ligne. D'accord? Donc, vérifiez le campus virtuel, le planning. D'accord? Toute la section. Toute la section, oui, le cours. On a un cours, toute la section, le mercredi, à 13h, en ligne. D'accord, donc je vais communiquer le lien de Machallah. Deuxième point, très bien, justement, faire par rapport aux TP. Demain, un compte des TP en présentiel, mais je suis en ligne, à partir de 13h, je vais partager le plan. Et je rappelle comme le cool et le TD, une semaine en présentiel, deux semaines en ligne. Le TP, un compte que le présentiel. D'accord. Chaque semaine, un compte des TP, chaque semaine, un compte des TP en présentiel. Donc demain, un compte des TP en présentiel. J'ai communiqué les salles via le campus virtuel. Essayez de vérifier le campus virtuel. Je mets toutes les informations de le campus. D'accord. Donc, monsieur, s'il vous plaît. Oui, pardonnez-moi, monsieur. Est-ce que c'est vous le prof de TP ou bien... Non, non. Mais quand on veut lui envoyer des messages ou bien via mail, est-ce que vous pourrez... Demain, vous la contactez. Demain, vous la contactez en TP. Elle vous donne l'email d'Arma. D'accord. Donc, demain, ça sera en présentiel. Donc, au moins, vous récupérez son... Oui, Zaki. Les prochaines séances à TP, à présentiel. Dis-moi, le mardi. Toujours. Le mardi, vous avez un TP en présentiel. Toujours. Chaque semaine. Donc, les salles sont disponibles via le campus virtuel. J'ai communiqué les salles. Et bon, même je demande au délégué de partager l'information. Il a quand même un groupe Facebook. Le délégué doit partager cette information. Vous avez, à partir de demain, des TP à partir de 13h. Mardi, à partir de 13h. Les salles, c'est la faculté de mathématiques. Normalement, c'est la salle. Mais monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Oui, on est censé avoir les TP le lundi parce que mardi, c'est notre journée libre. Justement, ils m'ont communiqué cette information. Je vois que initialement, les TP, c'était pour le lundi. C'était normalement de 10h à midi. D'accord.
il y avait un chevauchement. Donc, la même assistante qui travaille à 10h, travaille à notre groupe à 10h. Donc, je dis à l'administration, elle a, donc, ils ont effectué un changement durant le mardi. Elle a informé que c'est votre journée libre. Donc, elle a de l'information à vérifier avec l'aide de l'administration. Il faut vérifier ce point avec donc, l'administration. Monsieur, on peut lui écrire, par exemple, une lettre à l'administration demandant de changer l'horaire. Oui, c'est votre droit. Donc, normalement, si chaque... Et un point, dernier point, c'est par rapport au questionnaire. Essayez de répondre aux questions. C'est important de répondre aux questionnaires, d'accord? C'est très important. D'accord? D'accord, monsieur. Ok, merci.